Attends-moi ici, fils. Ça ne devrait pas être long. C'est moi qui récupère le titre de numéro 1. Ne cherche pas à me venger. Grâce à ce bandeau qui entoure désormais mon front. Je vais diriger le monde comme Dieu lui-même le ferait. Dommage que tu aies dû assister à tout ça, mon garçon. Ce que tu as vu ne va pas cesser de te hanter. Tu vas être dévoré par la haine que je t'inspire. Viens me chercher quand tu seras prêt à affronter un dieu. Minus, c'est ici que tu t'arrêtes. Afro samouraï. J'ai 20 types avec moi, tous armés jusqu'aux dents, et ils ont eu la bonne idée de t'encercler. De plus, ils n'ont aucune intention de se la jouer sympa. Je ne sais pas trop pourquoi, au juste, mais il y a des gens qui sont prêts à donner beaucoup d'argent pour un bout de tissu. Je te le demande.
Donne-le gentiment, gamin. Je vois qu'on a affaire à un gros dur. Ok, tu l'auras voulu. Attention, les gars! Ah! Regardez-moi ça, on dirait bien que notre gros dur a l'intention de nous attaquer tout seul avec son petit sabre. Explosez-lui la tronche! Espèce de fils! Je rêve, c'est pas possible! Enfoiré de ta mère! Espèce de fumier, je vais te détruire! Je vais te détruire! J'ai accepté ce boulot parce que je croyais que tu étais juste une espèce de légende. Juste un conte fantastique pour faire peur aux enfants. Mais tu es bien réel pourtant, un démon qui ose se dresser face à Dieu. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu me donnes pas franchement l'impression d'être le genre à vouloir remettre le monde dans le droit chemin. Dis-moi, pourquoi tuer mes hommes? Pourquoi me tuer? Rien de personnel. Une vengeance, rien de plus. Afro! Ma parole, t'as lâché le pitbull? Et quel sang-froid, le putain de sa race de Depp! Tu vas trouver que je suis curieux, mais dis-moi, ce carnage de la mort, tu pouvais vraiment rien faire pour l'éviter? Je commence à me demander s'il reste encore un petit peu d'humanité dans ce grand corps de noir. Hop. Hey, y a un truc qui s'appelle la communication, mec. Si tu dis jamais rien, tu vas finir par me lasser. Et il n'y aura plus personne pour protéger ton petit cul. À propos, j'ai repéré une grosse tête de nœud, genre moine qui te matait pendant que tu te fritais et qui passait des coups de fil. T'en as rien à péter? Ben moi non plus alors.
Yo! Yo! Attends-moi! Attends-moi! Afro! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, mon garçon. Dis-nous ce qui t'arrive. C'est lui! Il est ici, il est ici! Qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie, Minus? C'est pas du tout des conneries, c'est vrai! Il est... Tiens, bois un coup. Il a une coupe de cheveux afro énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette espèce de reflet verdâtre qu'on voit quand on regarde de plus près. Et il porte un bandeau de babacool qu'il s'est enroulé autour de la tête au niveau du front avec en gros marqué numéro 2. T'as bien dit, une coupe de cheveux afro avec des reflets verdâtres. Et il porte un bandeau où il y a marqué numéro 2 dessus. Ça fait aucun doute. C'est bien notre homme, c'est le numéro 2. C'est bien Afro Samouraï. Le fameux Afro Samouraï. Celui qui a totalement massacré toute cette bande d'assassins de la Guilde de l'Ouest. Le numéro 2. Une des plus fines lames du monde. C'est un tueur sans pitié. Il a éliminé les frangins d'Asura en seulement 5 mouvements de sabre. Faut pas compter sur moi pour croiser la lame avec ce fou dangereux. La brochette de Pamlet, arrêtez donc de trembler. Tout ce qu'il faut faire, c'est enlever à ce mec son petit bandeau de numéro 2. C'est rien que de la merde. Vous allez voir un homme, hein, vrai. Je vais lui arracher son bandeau, moi. Moi, je vais le faire. Non, c'est moi qui vais le faire, je me le réserve. Non, je vais devenir numéro 2. Fermez donc tous vos grandes gueules, parce que vous causez, vous causez, vous causez. Mais c'est Malonce qui va lui arracher le bandeau. Tiens, comme ça. Dégage ce bout de ferraille rouillé de ma vue, bonhomme. Madame. Oui? Pourquoi en ont-ils après ce gars-là, cet Afro Samouraï? Quoi? Vous ne le savez pas? Vous venez d'une autre planète, car c'est une légende que tout le monde connaît ici. Une légende? Écoutez, il existe depuis bien longtemps deux bandeaux. Le numéro 1 et le numéro 2. Si tu portes le bandeau numéro 1, tu es l'égal de Dieu. Personne ne peut te défier. Excepté celui qui porte le bandeau numéro 2. Le problème du numéro 2, c'est... Le problème du numéro 2, c'est que... n'importe qui à travers le monde peut venir le défier. Vous êtes malin, et ça vous intéresse. La vie d'un numéro 2, c'est un continuel combat. Mais en définitive, le chemin du guerrier le mène quelque part, car la récompense ultime est qu'il peut lui-même devenir un dieu. Oui, on dit que le numéro 1 attend sagement au sommet du mont Shumi, qui a une forme particulière. Deux énormes mains taillées dans la pierre en sortent de chaque côté. Oh. Cassez-vous de mon chemin. Mais calme-toi, mec. T'es pas le seul ici à croire que tu peux lui arracher. On en est tous là. Ah, mes yeux! Ils ont disparu! Tu m'as arraché les yeux! Enfoiré, fils de pute! Tu veux continuer à jouer? Dites donc, si vous voulez vous battre, c'est dehors que ça se passe! Bien fraîche. Une limonade, ça roule. De 50, s'il vous plaît. Limonade. Et ferme donc ta grande gueule. Regardez-moi ce petit rigolo qui s'invite chez nous. Votre commande, limonade. À ta santé, petit gras. Je vous sers la même chose. Sur son ardoise. Ah 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 ah
Et voilà, une limonade. Mais ça va vous coûter un peu plus que de 50. Parce que je crois qu'on peut oublier l'ardoise de monsieur. C'est vraiment trop cool. Oishi, ça rafraîchit. Parfait, vous en aurez besoin. Vous avez encore un sacré long chemin à parcourir, numéro 2. Vous devrez traverser la montagne en passant par la voie du Lowdown East. Prenez garde aux falaises et n'oubliez pas que vous êtes attendu. Merci. Hey, Afro! Yo! Tu crois vraiment que c'est celui-là, le bon chemin? Ces falaises ont l'air dangereuses, mec. Et il y a un autre problème. Te retourne pas tout de suite, mais je crois bien qu'on est suivi. C'est un de tes fans qui était déjà dans le bar tout à l'heure, et je pense pas qu'il veuille ton autographe. Il voudrait plutôt écrire ton épitaphe. Maintenant, je te propose de faire quelque chose, et vite fait, parce que ce mec m'a l'air d'être un tueur. Et un vrai. Yo! T'entends ce que je te dis, mec, ou quoi? Écoute, je fais tout pour protéger tes arrières, et toi, tu fais comme si j'étais un putain d'homme invisible. Bon, tu vas le pulvériser, ok? Ta gueule. Ah d'accord, vas-y. Fais-toi dessouder si tu veux. Mais va pas dire ensuite que je t'ai pas prévenu. À plus! Je me présente, je m'appelle Soshun. Je viens d'un pays d'où sont issus tous les plus grands maîtres d'armes de l'Ouest. Je vois que tu portes autour de la tête l'un de ces bandeaux de légende qui rapproche de Dieu. Aussi, si tu le permets... Afro! Te bats pas avec cet enfoiré! Il a des flèches, des grenades et tout un tas de merde! T'as zéro chance contre lui, mec! Ah! Oh non, mon Dieu! Non! Ne dis pas que t'es mort! Dis-moi que t'es mort! Tu pourrais répondre! Ton magnifique plongeon t'a placé exactement en plein dans ma ligne de mire, espèce de samouraï de pacotille! Où comptes-tu te planquer à présent, grand guerrier deuxième du Nord? Mon but était juste de m'approcher de toi. Wow! Mon frère, tu sais faire monter le suspense, toi. J'étais persuadé que t'étais mort là-dessous. Yo, mon gars, il y a un truc quand même qu'il faut que je te dise. C'est quoi ton problème? T'as un problème de douche ou de phéromone? Parce que t'attires les assassins comme un tas de merde attire les mouches. Et j'ajouterai un dernier truc. Il y a quelque chose de bizarre dans l'air et je sais pas quoi. Mmh. Oui. C'est moi, le deuxième frère. Je vois. Continuons alors. Et rappelez-vous que vous faites partie du cercle très fermé des justes, et que nous avons placé de grands espoirs sur vos talents de traqueur. Le guerrier numéro 2 continue d'avancer, et il devient au fur et à mesure de plus en plus pressant. Il semble que le travail de l'un de nos plus chers frères a maintenant réellement commencé. Le numéro 2 s'est engagé sur le sentier qu'on appelle le Lowdown East. Et on sait qu'il progresse dans la bonne direction. La journée de notre guerrier numéro 2 devra sans doute prendre fin dans cette magnifique allée située au bas des pentes abruptes du mont Shumin.
Nous avons pratiquement toutes les données dont nous avons besoin. Les demandes célestes correspondent parfaitement à ce que nous pensons, nous autres. Les cerveaux émus, les sectes sans âme. La purification, le pouvoir suprême. Rendons grâce au divin, à la sainte route. Laissons nos yeux se fermer et que la puissance nous envahisse. Que le divin gronde en nous, nous remue les entrailles. Écoutons l'appel de la sainte route. Écoutons la voix du divin et son désir céleste. Nous sommes nés d'un simple grain de poussière, de cette condition de paria, de maudit, d'empressé. Nous avons porté une lourde croix, mais nous nous emparerons de la couronne. Et la prophétie pourra enfin s'accomplir pleinement, œil pour œil, dent pour dent. Numéro 2 doit savoir qu'il ne faut attendre nulle grâce, nulle indulgence de la part des 700 âmes. Préparons-nous pour la lutte finale, le combat ultime. La liberté est à portée de main. Le pouvoir suprême de Dieu peut nous revenir. Amen. Amen. Avez-vous bien entendu, mes frères? Oui. Avez-vous bien entendu le message? Oui. Hé, mec, tous ces tueurs qui nous tombent dessus, je te jure, ça commence à me déprimer grave. Tu vois ce que je veux dire, hein, Afro? Oh, ça fait froid dans le dos. Yo, c'est quoi cette danse que tu nous fais? Tu nous fais du James Brown? Oh, qu'est-ce que t'as? Il y avait un truc pour faire limonade? Oh, chiotte! L'enfoiré t'a blessé, mec! Oh, regarde, regarde, merde, c'est ces putains de fléchettes! Allez, Afro, faut se tirer vite fait d'ici! Faut se tirer d'ici! Il est blessé, je peux me le faire à l'aise. Quoi? Oh non, attends, attends! C'est beaucoup trop tôt! Wow! Hey, vous pouvez pas nous lâcher la grappe un peu, là? Tu vois pas qu'il est chaos technique? Qu'est-ce que tu fais du code de l'honneur, du respect de l'autre et tout ça? Je rêve ou c'est un putain de lance-roquette? T'as un putain de lance-roquette avec toi? Un lance-roquette dans un putain de sac à dos? Attends, on peut causer 5 minutes. Par exemple, t'as peut-être prévu un petit discours avant de nous tirer dessus, non? Oh mon Dieu! 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 Imbécile! Avec cette méthode, il a du tout pulvériser, y compris le bandeau sacré du numéro 2!